Bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos en duo préférés. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du trailer, donc du premier trailer de multijoueur d'Infinite Warfare. On l'attendait tous, et bien vers les 19h du vendredi 2 septembre a été publié le nouveau trailer du multijoueur de Call of Duty Infinite Warfare sur la chaîne YouTube de Call of Duty. Dans celui-ci, la licence a mis l'accent sur le spectaculaire en faisant apparaître un magnifique montage dans lequel cinématiques et clips sont mélangés. La musique est elle aussi assortie à la vidéo. Donc nous pouvons voir plusieurs armes différentes, nous voyons donc tous les types, des AR, des snipers et même une sorte d'arbalète tirant des rafales de balles. Mais l'arrivée de ces armes est sans surprise car il y a peu, toutes les armes de multijoueurs avaient été dévoilées par un anonyme. L'arrivée des spécialistes se confirme enfin grâce à ces images dans lesquelles on voit le joueur débloquer puis utiliser son spécialiste. Le système de mouvement, des sauts propulsés et le wall run semblent être au rendez-vous. La seule différence avec Call of Duty Black Ops 3 pourrait être l'interface et la police d'écriture. Nous pouvons voir à l'écran un viseur qui identifie les cibles. Cette image nous laisse bien penser que les armes seront bien fournies d'accessoires multiples et variés. Et en plus des accessoires s'ajoutent de multiples gadgets tels que cette grenade qui émet une sorte de rayon protecteur. Pour nous confirmer que ce trailer est bien celui du multijoueur, Call of Duty laisse apparaître un mode qu'on connaît bien sur Call of Duty Black Ops 3. Je parle bien du mode liaison. Dans ces images, le joueur attrape une balle et marque un point en tirant dans la bulle adverse. Nous voyons ainsi l'arrivée du Tomahawk, sans surprise et surtout, chose très étonnante à la fin de ce trailer, une sorte de chien métallique fonce sur quelqu'un qui semble désamorcer une bombe en R&D. Ce chien pourrait être un killstreak, comme les Raps, ou pourrait être un skin de personnage, voire un spécialiste en lui-même. Bref, ce trailer nous met plein la vue avec ses explosions et ses enchaînements très bien gérés à mon goût. Et voilà, j'ai donc fini mon analyse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires, n'hésitez pas à la liker. Et elle a commenté pour me dire tout simplement si vous avez vu quelques pépites dans ce trailer. En tout cas moi je le trouve très réussi, il est futuriste certes, mais voilà on s'y attendait. C'était un beau trailer de la part de Call of Duty. Allez ciao.